Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'était comme imprévu un peu, mais je m'en vais dans un très mini rassemblement de vannes à Bromont. Ça s'appelle Van Fiesta, ça va durer. On est samedi, fait que ça commence à 11h30 jusqu'à 2h30. C'est très petit rassemblement. Sauf que ça se veut plutôt être un genre de salon du VR, du van. Fait que il y a du monde qui peuvent exposer leur van, les setups qu'ils ont fait eux-mêmes ou ce qu'ils ont acheté, peu importe. Puis t'as d'autres personnes, c'est juste des visiteurs, du monde qui vont venir voir. Fait qu'il va y avoir de l'animation quand même, même si ça dure pas longtemps, il va y avoir de l'animation quand même, il va y avoir des activités aussi. C'est ça, dans le fond, dernière minute, j'ai décidé de... Ben, en fait, j'ai pas décidé, là. C'est mon ami, mon chum Simon, qui m'a proposé qu'on embarque là-dedans. Fait que finalement, on a décidé d'exposer nos setups. Fait qu'on arrive un petit peu plus tôt. Puis on va pouvoir montrer ce qu'on a fait là, dans nos vannes. Fait que ça va être le fun, je pense. Ça fait différent. On s'en va à Bromont. Pas mal la première fois que je viens quelque part sur la rive sud en rapport avec les vannes. Parce que d'habitude, je sais pas, j'aime pas ça venir ici. Je trouve que d'un, des temps publics, il y en a pas sur la rive sud. Les chercher, en fait, faut même pas les chercher, il y en a pas. Il faut qu'on aille soit vers les États-Unis ou plus vers le centre du Québec. Fait que Montérégie, il n'y a rien. Si vous voulez trouver des places pour dormir, ça risque d'être plus des parkings municipaux qu'ils tolèrent, mettons, mais sinon, il n'y a rien. Cherchez pas une forêt où vous allez camper gratuitement, il y en a pas. En tout cas, s'il y en a, je les ai pas trouvés, puis j'ai 2-3 sites que je connais, il y a rien. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pour ça que je vois jamais sur la rive sud. Mais là, pour cette fois-ci, c'est ça. Ça va pour moi. Fait qu'on va voir de quoi ça a l'air, puis on va monter nos setups. Je sais pas si voir des curieux, mais bref. Je vais essayer de filmer. J'ai une nouvelle caméra aussi, là, une caméra action que je me suis acheté. Fait que je veux faire des petits tests en même temps avec ça. On va essayer de faire des time-lapse ou bref, une couple d'affaires. Fait que restez là. We'll be right back.
Georgia. I said Georgia. Moi, j'étais Coflo. Ouais. Les échelles, c'est pour ta base de lit? Cool. Oui. Moi, c'est la base de lit. Ça revenait moins cher de faire ça? Légèreté. Le bois, ça bouge. Mon premier setup de 2 ans, le bois a tellement bougé mon lit-peigne que j'étais plus capable de... Ouais. Puis c'est parce que t'es pogné avec les pattes. Là, j'ai aucune patte. Puis moi, je me fais juste un lit simple. Ça, c'est parce que ça devient un lit double. Ouais. Moi, j'utilise juste l'autre échelle. Là, je l'ai attaché. Là. Ben, c'est comme le mien aussi. J'ai dit en lit simple. Ouais, mais lit simple, j'ai un autre mètre là pour aller de lit double aussi. Ben, c'est parce que j'ai le lit double. Donc, tu vois, j'ai le lit double. Ouais. Il se tourne. Tu sais, je tourne tout, puis ça fait un grand lit double jusqu'ici. Mais moi, j'ai un chien. J'ai pas emmené mon chien aujourd'hui, mais j'ai un chien. Fait qu'il dort là, puis moi, je dors là. Puis j'ai tout cet espace-là la nuit. Ouais, c'est cool. Ouais. Moi, je vais à la toilette. Mais même en couple, mes parents, 80 ans, ils apprennent, ils sont allés sur la Côte-Nord, ils font le lit. Puis nous autres, on aime mieux avoir la cuisine en dedans. Toute la famille, on a préféré avoir la cuisine en dedans. Ouais, c'est sûr. Nous autres, on. Ben, moi, je peux pas faire ça encore. Pourquoi? J'ai des enfants. Ah! Oh, okay, fait que ouais. Moi, les stow and go sont là, il faut que je les sorte. Oh, je peux pas. Ah, mettre moi, de meubles ici, je peux. À moins que je l'enlève à chaque fois, tu sais, mais. Mais moi, je suis tout seul. Mon ouais. Fils a 25 ans, il y a une conjointe. Mais quand je leur passe la vanne, puis mes parents sont encore ensemble, fait que je leur passe la vanne. Les autres, ils me passent son vieux que tu. Ah, c'est sûr que quand les miens vont être plus vieux, puis ils suivront ma soeur plus. Est mais moi, si je l'arrête à mon membre de ma famille, là, ouais. En échange de leur retour quand que. Quand ils partent. Mais c'est ça, nous, finalement, on est arrivé souvent qu'on a envoyé de la pluie. Ouais. Fait qu'en arrière, ça convenait pas. Puis là, la fan au plafond, parfait pour évacuer en plus. J'entre-haut. Bah, aussi. Là, j'ai rajouté ça, puis c'est super pratique le soir seulement. Tu sais, je mets pas du stock dedans. Ouais. Mais le soir, tu sais, je mets mon pyjama, tu sais, mon linge sale. Demain matin, je gère ça. Là. Ouais. Puis ce petit panier-là, c'est du stock, tu sais, ma montre, mes lunettes, puis je le crisse là en haut. Ouais. Carrément dit de même, là. Ah ouais. Mais ça n'encombre rien. Pour ça chez Dollarama, je dis, ça parfait, ça. C'est pas Ikea, ces paniers-là? Non, c'est Dollarama. OK. Ils sont super solides. Et quand je pogne ça le soir, je fais ça de même. Il y a du stock de trop, là. Ouais. Je l'envoie là. Je libère mon espace ici. Tout est en haut, puis... Un jour. Puis moi, les sièges se couchent. Ils se couchent. Mais le siège, il se couche, moi. En appart en avant? Mais quand on ferme, là, parce que là, je suis toute. Ça te fait un autre espace ouais. De rangement, pratiquement. Oui, c'est comme ça. Les deux? Non, juste celui-là. OK. Parce que c'est une vanne commerciale, hein, puis ouais. C'est un ordinateur. Ah, ben oui. Ouais. Mais. Fait que toi, il y avait pas de banc dedans quand tu l'as acheté. Non, il y avait, jamais. Était vide. Non, c'était une carte. 2 bancs, 1 volant. Ah, toujours le fun de voir les vannes du monde, les idées qu'ils ont. C'est sûr que ça prend l'argent. Il y en a qui sont à vendre, c'est genre 90 000, 100 000, 120
On va aller voir celle-là. Combien qu'elle vend celle-là pour le fun? 2019, 115 000. Toilette douche. Finition en bois, ça sent bon. Un jour peut-être. Avec des coffres à outils. Un bon hot dog avec la saucisse, ils en fument du bon. Petit dessert. Ça va être bon. Rassemblement belle fun, là. Il y a peut-être quoi, une trentaine, quarantaine de véhicules. C'était pas énorme, c'était bien correct. Moi puis mon chum Simon, on était, je pense, les deux seuls représentants des Dodge Grand Caravan. Fait que, tu sais, oui, il y avait du monde qui venait voir les gros Sprinter, les Pro Master, mais
Il y en avait d'autres un peu plus modestes, mettons, qui regardaient un peu nos setups, là, voir comment est-ce qu'on avait arrangé ça. Il y en a, vraiment, c'était un peu comme nous, là, c'était un petit peu hors de notre budget pour les autres types de véhicules. Fait que je pense que, en tout cas, on s'est fait poser beaucoup de questions quand même là, sur comment est-ce qu'on avait arrangé ça. Puis, comment ça fonctionnait, si on avait des changements qu'on voudrait faire ou pas. Fait que c'était bien le fun. Fait que c'est ça. C'était. Rencontrer quand même bien du monde qu'on voit régulièrement dans les rassemblements de vannes, puis du nouveau monde aussi, qui veulent se lancer là-dedans. Comme ils veulent commencer plus petit, voir s'ils aiment ça. Puis, évoluer avec le temps, j'imagine. Fait qu'en gros, c'est ça. Un petit 4 heures, bien fun. Puis, prochaine fois que je vais, on va faire quelque chose, c'est début décembre. On va retourner où on était l'année passée. Je vous dis pas. Vous allez le voir quand que. La seule chose qui est différente, c'est que l'année passée, à pareille date, on était là. Et il y avait au moins un pied de neige, c'est pas plus. Là, il n'y a rien. Fait que d'ici deux semaines. Ouais, dans deux semaines, je sais pas si on va avoir de la neige, mais bon. On verra bien. Mais c'est pas grave. Ça nous arrêtera pas quand même. Mais bref, si vous avez aimé, abonnez-vous. Likez, vous pouvez me dire s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je fasse ou dans les commentaires, gênez-vous pas. Fait que là-dessus, ben je vous dis à la prochaine, puis pour d'autres trucs. Salut!